qu'on n'a pas de parachute. Je regarderai bien encore un peu, mais vas-y, saute quand tu es prêt. Maintenant, Lara! Très bien, Lara. Mais tu viens de sauter en plein dans un nid de frelons? Satellite, ton train va bientôt partir. Tu ferais mieux de courir vite. Cible à portée. Le train s'en va. Alors tu ferais mieux de foncer si tu veux pas rater ton train. Vite là, laisse passer de l'avant. Arrivez avant toi. Cible à portée. Oublie le train. J'ai une maison. Détache les wagons.
Ils ont détaché des wagons et ils bloquent le tunnel. Mais je crois avoir vu un chemin vers la droite, devant. J'ai l'impression de sortir d'un accident de train. Pas toi? Tu m'étonnes. Bon.
Wanda est déjà à l'intérieur et la porte est fermée. Et maintenant? Viens, conduit d'aération à droite de la porte. Le ventilateur tourne, elle a branché le courant. Comment vas-tu entrer? Je trouverai un moyen. Ça se rafraîchit. On dirait que tu as trouvé une autre tombe, finalement. Je me demande ce qu'il fait là-dedans. Il essaie de sortir depuis les années 50, mais il est mort congelé, le pauvre. Ce n'est pas une façon de mourir pour un scientifique. Il fait beaucoup plus froid ici qu'à l'extérieur. Je dois en faire partie. Regarde les lumières. Elle n'a allumé que les générateurs de secours. Elle est entrée par les portes principales. Je crois pas qu'elle est venue ici. On dirait qu'il y a un générateur de l'autre côté de la salle. Elle l'aurait mis en route. Ça devrait suffire. Je crois qu'il y a un mécanisme qui ouvre la porte. Il lui faudrait du courant pour fonctionner. Changer de look? C'était bien toi en Bolivie, avec le clan. Je voyage partout, y compris dans des lieux dont tu n'as pas conscience. C'est toi qui restes sur la touche cette fois. Désolée. Je regrette, Amanda. Si seulement j'avais su, je te jure que j'aurais fait tout mon possible. Regarde ce gros canon! C'est quoi ce délire? Il pourrait être utile. Thank you.
Alors, tu disais qu'elle ne marchait pas? C'est de l'électricité statique. Si elle était en marche, tu le saurais. Et si j'étais le noyau, où est-ce que je serais? En haut. Un autre scientifique. Il n'a pas eu plus chaud que l'autre. On peut alimenter la tour d'ici? Pas son noyau. Il n'est pas dans le coin. Je parie que c'est à ça que servaient ces rails dans le sol. C'est quoi ces câbles et ces prises qui pendent? Des câbles haute tension découplés. Tu as de la chance qu'ils ne soient pas branchés. Sinon, tu le sentirais passer. Sur les rails. Mais comment les enlever de là? Ce n'est pas grave si le noyau n'est pas alimenté. Salut, Lara. Oui, bien vu, Lara. Et tu sais sûrement pourquoi le projet s'appelle Carbonec? C'est le château où Lancelot cherchait le Graal. C'est loin d'être la première référence au mythe arthurien. Un mythe, dit-elle. Un mot étriqué pour une vision étriquée. Tu as toujours été si cartésienne. Tu dois te sentir à ton aise parmi tous ces midules, Tesla, non? Eh bien, pas plus que ça, en fait. Les Russes ont activé dans la relique un pouvoir qui échappe aux esprits vulgaires, et ça les a détruits. Alors ne fais pas n'importe quoi, Lara. Je te renvoie le conseil. Mais moi, je sais comment procéder. Alors tu as appris le russe depuis ton séjour, vraiment? Raccroché. Mais c'était quoi son délire? Je suis sûre qu'elle fait ce qu'elle peut pour récupérer le fragment d'épée, mais elle veut éviter de tout détruire en essayant. T'aurais peut-être dû lui dire ce qu'elle voulait savoir. Encore un scientifique. Oh, génial! C'est exactement ça! Ça ne doit pas s'arrêter à un moment? Il n'est pas complètement chargé. Je ne sais pas ce qui cloche. Et comment est-ce que je le déplace si je ne peux pas le toucher? Le câble de ton grappin est isolé. D'accord. Qu'il en a planqué d'autres ailleurs? Possible, mais la carte est inutile pour toi.